Bonjour et bienvenue pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, pour un temps un peu maussade, rien de mieux que du réconfort. Et aujourd'hui, nous allons préparer un brownies aux noix caramélisées. D'abord, préchauffez votre four à 180 degrés. Pour la recette, il vous faut du chocolat noir, 40 g de farine, 120 g de beurre, 100 g de sucre, 2 œufs, des noix de pépins, des noisettes, ce que vous voulez, et 40 g de sucre pour le caramel. On met donc dans la casserole du sucre et 2 cuillères à soupe d'eau. On fait porter à ébullition et on attend quelques minutes pour que le caramel blondisse. Il commence à blondir légèrement. On va encore attendre quelques petites secondes avant de mettre les noix. Le caramel est blond. On va rajouter nos noix et on va bien les enrober du caramel. Une fois qu'elles sont bien enrobées, on va les débarrasser sur du papier sulfurisé. On va ensuite faire fondre le beurre et le chocolat au bain-marie. On arrive du coup à un mélange homogène entre le beurre et le chocolat. On va ensuite mélanger 2 œufs avec le sucre. On va ensuite ajouter le chocolat à la préparation. On ajoute ensuite la farine. On va ensuite couper en petits morceaux nos noix qui ont caramélisé. On va les ajouter à la préparation au chocolat. Et on le met ensuite dans un moule pour le four. On va l'enfourner à 180 degrés, donc pendant 20 minutes. Et voilà, à la sortie du four, après 25 minutes de cuisson, le brownie, un petit peu coulant à l'intérieur. Comme on peut le voir ici, il sera parfait avec un café ou un thé au goûter. Donc d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci.